Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans le Vercors. On a trouvé un mec sur la route avec un on a trouvé un schlag. Salut, c'est non, moi le schlag. Non, c'est pas vrai. On est venu pour le Vercors Supercar avec la STO, donc événement sur deux jours, faire des baptêmes pour une association et ainsi de suite. On s'est dit, allez, petite vidéo supplémentaire YouTube, pourquoi pas trouver le meilleur des meilleurs, le boss, pour faire 2-3 plans au drone. Je vais encore prendre des sas insultes à dire ça. À mes yeux, quand je regarde ce que tu fais, franchement, attends. NPM qui est là, je le connais depuis 5 ans, 6 ans. Il me dit, Stéphane Couchou. Ça fait 10 ans que je te paye aussi. Ça fait 10 ans que je rack pour toi. Je lui dis, moi, c'est comme les avis Google. Je lui dis, tu poses, tu prends non, des... Non, c'est pas vrai. Lui, il m'a toujours dit, oh, Stéphane Couchou, regarde, Stéphane Couchou. Depuis que je connais ce gars-là là, qui est derrière la caméra, Augustin, chaque fois qu'on parle de Stéphane Couchou... Ouais, le gars, là, Christophe, lui, ça va bien. Et visiblement, depuis qu'on connaît Timothée, il me parle de Stéphane Couchou. Donc, c'est gentil. Dit, pourquoi pas rencontrer Stéphane Couchou, quoi. C'est cool. Bah ouais, mais moi, je rencontre la crème de la crème aussi. On m'a beaucoup parlé de toi. J'ai dit, bah écoute, vu qu'il passe par ici, hey, tu sais quoi, Augustin, moi, je fais voir l'envers du décor. Regarde, filmez tous, là. Regarde, ils sont là pour toi, Médo, c'est pas pour moi. Non, hein. Ils sont là si, pour si, toi. Si, 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 si. Ah, vous êtes là pour Médo, hein. Ouais. Je connais, moi. Moi, je pose l'ambiance. J'arrête. T'inquiète, on va tout cutter. C'est Médo, hein. 10% code Couchou, Shift Tech. On va tout cutter au montage. J'ai vu dans ton contenu que t'aimes ce genre de caisse. Ouais, de t'aimes les lambeaux. De ouf. Donc, voilà. Et encore plus la STO. Ça s'est fait truc totalement à l'arrache, quoi. En fait, tu m'as contacté, tu m'as dit « Steph, t'es à Saint-Thé ? » Je dis « Oui ». Tu me dis « Je passe par Saint-Thé, il y a un événement de fou furieux, on va faire les cons dans une colline. » J'ai une STO, j'ai dit « C'est bon, à quelle heure ?» Mais moi, je me dis que t'es tellement haut dans la sphère vidéo et tout. Tu vas me dire « Mais t'es fou, t'as bonne journée, quoi. » T'es malade, toi. Ou avec le horaire des vidéastes, tu vois. Non, on est là. Oui, coûte cher. Moi, je suis. Non, en vrai, gros plaisir. Tu parlais de non, je parle du tien. Je parle du mien ou en vrai de gauche là. Les trois là. Moi, quand tu me dis qu'il y a un truc de ouf à faire avec une Lambo, une STO, voilà, que tu kiffes la vidéo aussi parce que vous faites du contenu de plus en plus propre, qu'il y a l'opportunité de faire des trucs ouf avec du matos un peu ouf, bah oui. Et puis en plus, il y a une association derrière, je trouve ça cool, tu vois. Et sans faire le mytho, sans faire des trucs de youtubeur et tout, pour le vrai, moi, ça me touche de ouf, tu vois. Je pense que ça va se biper, mais j'ai envie de. Tu le coupes. Non, là, je rigole. Bon, les amis, on va faire notre contenu YouTube classique. On mettra un tout petit plan et puis le réel de fou furieux, machin et tout, ça sera chez lui. Ouais, donc, bah de toute façon, je te le mettrai aussi, je te le partagerai. Tu vas avoir le droit, bah oui, je le fais. Donc, je te le ferai passer en 16/9e. Du coup, on essaiera de bidouiller pour faire un truc en 9/16e, mais. En vrai, on va essayer de faire un petit truc cool. J'ai une caméra slow-mo, il y a un petit drone un peu spécial. On l'a fait avec le temps qu'on avait, tu vois, parce que... Non, on va faire avec le temps qu'on a. Ouais, putain, je suis dans le passé. Ouais, ouais. On va essayer de faire un truc cool avec le temps qu'on a, parce qu'apparemment, c'est quand même bien chargé. Il est très tôt le matin, là. Ça fait la blague de ouf, quoi. C'est qu'on s'est fait... Oh, je suis fatigué. Il doit être à peu près 7h du mat, vu la hauteur du soleil. Et puis, on va essayer de faire un truc cool, ouais. Bah, ça va le faire. Allez, on se rejoint tout de suite chez Médo. Je t'explique aussi. Tu vas monter pour un baptême. Oui. T'as peur en voiture? J'ai pas peur en voiture, j'ai peur avec toi. Ouais. Parce que tu sais quoi, je me suis renseigné chez lui là, vu qu'il te suit, je lui ai dit il roule comment, il m'a dit c'est un abruti. Ah, si il m'a dit c'est un abruti. Super la répute Augustin. Non non, magnifique. Si tu m'as dit il roule fort. C'est le mytho, fais pas le mytho par contre. Moi j'ai fait mourir plusieurs fois, c'est tout. Non mais voilà, donc alors, tu vois, rouler fort et rouler comme l'abruti, c'est pas pareil. Ouais, non mais voilà. Non, après, je me dis, t'es quand même censé, c'est une STO, tu vois, c'est pas, hier soir, c'est pas une 205. Dans un restaurant avec ta M2, c'est rapatapapa, tunta. Ouais, mais il pleuvait. Déjà, je t'ai vu rouler avec ta remorque, gros, il m'a doublé sur l'autoroute, j'ai dit, c'est bon, lui, c'est un allumé. Ouais, non, mais ça va le faire.
c'est parti pour notre premier baptême de la journée. L'heureux. Grave. Heureux. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, comment tu nous... Pourquoi t'as voulu un baptême là-dedans? Ben en fait, c'est simple. La vitesse, j'adore ça. Les belles voitures, j'adore ça. Et ben, on retrouve tout là-dedans, donc... Ça, c'est sûr. C'est en plus, c'est une occasion en or, quoi. Déjà, de rencontrer vous, la voiture et tout, c'est vraiment génial. Puis sur route fermée, donc pas de risque, pas de problème. Puis c'est génial, quoi. Pas de risque. Faut jamais dire qu'il y a pas de risque. Oui, non, pas de risque, mais c'est vrai. On n'a pas le problème. On peut dépasser les vitesses autorisées et ainsi de suite. Et le risque est limité. Maintenant, voilà, on peut faire une sortie de piste et directement sur la piste. On va éviter quand même. Non, on va éviter. Il y a déjà eu du launch control là. Je te laisse fermer les fenêtres et puis tu peux y aller. Allez. Plus les virages, plus tout et tout. Wow, c'est génial. Présente-toi, bienvenue dans la vidéo. Bienvenue pour ce second baptême en ma compagnie. Merci, Mélissa. Pas peur? Non. Adrénaline, uniquement? Ouais, grave. Et toi, tu te sens comment? J'ai peur. J'ai peur. Ça y est, c'est parti là! J'étais enfin mis dedans, mais tu peux reculer le siège? Ah non, t'es à fond déjà! J'ai à fond. Je vois que tu t'es. Serre ça bien quand même. Parce que... Il est chaud, Médo! Il est chaud! Bon, je vais te secouer un peu. Mais c'est court, c'est un peu court, tu vois, pour un mec comme toi là. Je suis faible, je suis très sensible comme garçon. Du haut du panier de l'automobile. Du haut du panier. Bonjour à tous, bienvenue chez Croûte de Cuir et Huile de Ricin. Ils sont tous en train de se demander, mais y'a qui comme baptême dans la voiture? Mais j'ai pas fait les deux miens. Ah t'as pas fait les deux tiens? Non. Il y en avait 4 cet après-midi. Il y en avait 4 cet après-midi. Ouais. 2 à vous et 2 à nous. D'accord, ok. Ça va. Ils sont en galère là. Ouh là là là. La voiture rose, elle a les baptêmes, ils veulent tous ta voiture rose. Ils aiment le rose. Ouais, ils veulent la voiture rose. Intérieur cuir rose. Bon, ça roule bien, la route, elle a séché ou pas? Ouais, ça te parle, l'intérieur cuir rose. Ouais. Ouais. On dirait les bonnes coups. Augustin, hein, il mettra des bips, il m'appelle. Ah oui, Augustin, mets des bips avec moi. Hop. Je suis avec, avec Médo. Hey, Médo. Je suis pas trop fort parce qu'on a plus de batterie sur l'Insta. Allez. L'Insta, elle va couper. Bon, je le sens. T'es sûr? Une maison. Ouais. T'es sûr? Elle va y aller. Je reste à une main, secoue-moi pas trop. Allez, c'est parti, Médo. Ouais.
coupe là. T'es nerveux, ça monte rien du tout, abruti. C'est abruti, gros. Ah ouais, mais des bips, hein. Hein. J'ai mal au crâne, gros. C'est bon, t'as pris des sensations, hein. Ah la vache. Il me met les larmes aux yeux. J'aime bien. J'aime bien. J'en ai mis un peu quand même. Ah ouais, non, mais gros, t'as fait l'abruti, là. Oh, gros, j'ai fait chier de la pâte à crêpes. Hein. Non, mais t'es abruti. Non, mais enfin, non, ah, j'aime bien ça. Avec le bruit, t'es fou, ça chante. Je t'ai mis tout ce qu'il y avait. Ah ouais, non, mais. Non, je t'ai pas oublié, j'ai pas pu retourner au dépôt. Quoi? Je te ramène ça. Elle veut des lunettes. C'est vrai? Ben, je lui passe les miennes, là. Oh. T'as les oreilles qui bougent, toi aussi? Ouais. Je l'avais pas entendu tout à l'heure. Moi, vu que souvent, les youtubeurs, ils osent pas trop dire « Mettez des likes ». Mettez-lui des likes, c'est un bon gars, mais parole de... La cam à la tenue, gros, tu vas finir en reels. Mais en vrai, pourquoi elle a pas tenu tout à l'heure, par contre, quand je disais des trucs vrais, des trucs sensés? Ah ouais, je sais, elle en avait marre de t'écouter. Je dis trop d'insultes. Et eux, ils étaient pas bien, ils se sont oh, dit, t'as vu, ils ont dit, oh, mollo. On descend moins vite, t'inquiète. Hein. Non, mais c'est surtout après la chicane. Ouais, mais j'ai coupé dès que j'ai passé la chicane. Ah, il est arrivé fort, non? Sauf qu'il est arrivé fort ou pas? Ah. En vrai, t'as fait peur à tous les motards. C'est bon, tu te sens mieux? Ouais, j'aime bien. Là. C'est cool, hein. Mais là, t'es arrivé fort. Non, en vrai, t'es arrivé fort. Ah, pas assez. Bah, ouais, bah oui. Incroyable. Putain, j'ai kiffé. Non, ça roule, ça chante. Hein. Il aurait fallu, tu vois, 3-4 km de plus de montée. Pour te mettre mal. Ouais, pour me mettre mal, ouais. Non, mais ça, c'est un coup haché de la pâte à crêpes. Tu sais, quand tu aurais pu nous suivre avec ton drone là, en FPV là? Dedans là? Ouais. Ouais, mais faut. Oh là là, j'étais comme ça une main, c'était un peu chiant. Faut tu vois. Que tu t'enfermes dans le truc, quoi. Ben, en vrai, après, une fois que je suis à fond dedans, et en fait, c'est vrai, une fois que tu fais qu'un après avec la bagnole, t'es un petit peu dans le truc, tu vois. Mais franchement, j'aurais pu suivre. Ouais. J'aurais pu suivre, mais non, là, t'as roulé comme un fumier. Là. T'as roulé comme un fumier. Ouais, tu me le mettras, ça, Augustin. Regarde, Médou, il est en train de changer la plaque, là. Bande de salopards. Bon. Ils vont faire des plans rolling, les mecs. C'est des professionnels. Ouais. Ah, merci. Et ça, c'est quoi cette merde? Bah, je sais pas, du coup, c'est chaud. Mais c'est à qui ça? C'est à lui. Hein. C'est qu'il avait fait. Tu vois, tu sais, c'est quoi le problème, Augustin? C'est que t'es pas un professionnel. C'était vert, donc. Je vais changer la batterie et puis à tout à l'heure. En AirTag à chaque fois. Vous savez ce que je suis en train de faire, les amis? Je vous jure, c'est pas une blague. Je lâche des pêches, j'ai mangé une tartiflette à midi. Regarde, je ferme les fenêtres. Je vais tout ce que j'ai là. Ah merde. Ah, tu veux la pâte à fixe? Ouais. En fait, je reste dans la voiture parce que là, vraiment, je vous dis, j'ai mangé une tartiflette, les morceaux d'oignon, ils étaient gros comme mon pouce. Mesdames et messieurs, Médo va faire le salaud. Les pneus, t'as un sponsoring pour les pneus? Ouais, bah j'ai un petit contact chez Goodyear. Mais Goodyear. Ou Dunlap. On va encore? C'est bon? Oui. On arrive à la fin de cette vidéo.
T'as kiffé, gros? C'était une journée exceptionnelle. Je suis debout depuis 6 heures, gros, je suis fatigué de ouf. Bah, faut encore que tu rentres. Hein. J'ai pas le goût, je mange avec vous quand même. Hein. Tu veux pas qu'on sorte? Non. Non, non. Non, non, non. En vrai, c'était très très cool. Et je suis sûr que ta femme, elle attend encore avec les lasagnes. Elle est là comme ça avec les lasagnes. J'étais célibataire, je suis célibataire il y a deux jours au cas où. Hein. C'est pas un petit placement de produit, mais c'est vrai. Non, en vrai, très très cool sur la montée. Je me suis chié dessus, j'ai chié de la pâte à crêpes. Mais c'était une journée très très cool, malgré le peu de temps qu'on avait. Parce qu'en vrai, on avait combien de temps pour filmer? Pas grand chose. Mais très sincèrement. Hein. Parce que tu sais, souvent les gens sur YouTube, ils disent pas, ils savent pas, ils disent ouais, non, et à chaque fois ils font les vidéos. En vrai, de vrai, on avait une prod de 6h du matin jusqu'à maintenant. Il est 21h, mais en temps effectif de. Non, en vrai, en temps effectif, on avait. Parce qu'en fait, ils faisaient plusieurs créneaux et nous, on avait juste un petit truc pour filmer. On pouvait pas trop faire n'importe quoi. Après, ça s'enchaîne un petit peu sur la fin où on a fait les crétins. D'ailleurs, il y a une américaine qui a fait des gros donuts. Je sais pas si t'as vu. Ouais, c'est clair. Exemple tout de suite en vidéo. Il est mort. Non, en vrai, moi, je suis très content d'avoir fait ça avec toi, Médo. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de faire plein d'autres trucs. Ouais, franchement. Vous êtes des mecs terribles. Bah, c'est rare qu'on rencontre des mecs bon délire direct comme ça et tout. Franchement, je pense que c'est unanime. Je vois mon vidéaste derrière qui dit ça. Ouais, t'es trop bon, non, mec. C'est vrai. T'es trop bon art. Au téléphone, deux, trois fois, quand tu m'appelles, je dis il est un peu foufou. En fait, il est foufou jusqu'au bout. Tu mettrais un bip. Hein. Faites péter leur chaîne parce que. Non, mais attends, mais faites péter leur chaîne en vrai. Non, sans déconner, il faut pas les abonnements parce que les gens, ils oublient trop. Mettez la cloche aussi. Attends, il m'a dit quoi dans la voiture, gros? Médo, mettez les pouces bleus chez Médo. Bah oui, mais c'est normal. Nous, on dit jamais ça, quoi. Abonnez-vous, on l'oublie. Bon, abonnez-vous, faut le dire. Non, mais en vrai, ça coûte quoi? Ça coûte quoi de mettre un petit like? Ça motive les troupes, en vrai. Ouais, franchement, c'est pas. On essaye de faire des trucs un peu cool, tu vois. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, on dirait un mendiant, mais en vrai de vrai, c'est super important. Moi, sur la dernière vidéo, j'ai rien dit. On a fait 1 million de likes. Je me dis que si on demande, on va faire combien de likes? Bah, souvent. Il est en train de calculer. Ah, mais 1 million, c'est 1 million. Non, mais moi, je connais pas tous ces trucs. Ça, on demandera. Je te rassure, on a dû faire 4-5 000 likes, peut-être. Bah, c'est bien. Bah, là, tu vas en faire 10 000. Non, mais en vrai. En vrai, c'est rien. On vous vend rien. On vous vend juste un petit peu de bon sens et un petit peu de. Moi, c'était très cool, Médo, en vrai. Et je sais pas si ce qu'ils en ont pensé sur ta chaîne ou sur la mienne. Dites-nous aussi dans les commentaires. Je trouve que c'est important aussi de dire un petit peu ce que vous pensez. Mais je pense qu'il y a des belles choses à faire, en vrai, tu vois. D'accord. Et avec un peu plus de temps, avec un vrai truc un peu programmé, un peu scénarisé. Ouais, parce que nous, on est souvent un peu comme ça, tu vois. Ouais, non, mais après, c'est normal aussi. Tu peux pas faire n'importe quoi. L'événement était très cool aussi. J'entends rigoler. Je remercie Vercors Supercar. Supercar ou Hypercar? Non, c'est Vercors Supercar, mais il veut pas venir nous parler. Viens. Vercors Supercar, viens. Allez. Donc les gars, c'est lui, l'organisateur, le président de l'association, le boss. Le boss, tu parles. Merci d'être venu, merci d'être là, merci de jouer le jeu, merci de faire tout ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Bel event, mec. Félicitations, il y a du monde partout sur la route. Et vous, c'est pas fini, il y a demain encore. Mais ouais, c'est vrai, parce qu'on est samedi soir. La journée. La vidéo, elle sort demain. Et samedi soir, elle est pas finie non plus. Non, demain, il y a N2 qui sort. Oui, mais ça a bien se passé. Ça a bien se passé. Oui, franchement, c'était cool. La nuit, quoi. C'était cool, c'était un bel event. Merci. Et je trouve que tu vois, les gens qu'on a rencontrés, j'ai emmené des gens en baptême et tout, ils sont vraiment heureux d'être là. Ouais, ça se fait. Je les ai tous filmés. Ils sont tous. Mais c'est aussi ce que vous apportez, vous. Hein. Ah, à force cool. D'avoir des mecs comme vous, les gars. On a des gens juste qui viennent. Moi, je suis pour rien dans tout ça. Moi, je suis inclus, en fait. Mais je l'ai embarqué. Il fait toujours le mec modeste. Ce que tu dis, c'est bien. Mais la moitié de nos médias, quand on a annoncé que tu venais, ils étaient comme des dingues. Ouais, parce que c'est un milieu de niche aussi. Ouais. Bonsoir. Ça non mais il minimise les choses mais. Et merci pour l'animation. Ah bah, merci monsieur, merci à vous. Vous voulez dire un mot d'ailleurs, c'est voilà. Important. Alors, ben, c'est merci. Comment le Vercors Supercar? Le Vercors Supercar, c'est génial, ça nous amène du monde. Ça va bien? Ça va bien. Oh là là, ça nous amène du monde. Ah, là, ça amène du monde, c'est notre activité sans nom et plusieurs fois dans l'année, ça serait meilleur. On peut venir faire du ski? Ah ouais. Du ski, mais pas aujourd'hui. Non, mais c'est ouais, après-demain. Attends, on va le gratter parce que je crois qu'il est important ici. Tu veux le gratter quoi? Bah, un forfait de ski et tout. Un pour forfait la de ski? Ah non, je peux le sortir. Oh, c'est pas je eux je peux le sortir ici, je peux pas. Attends, on a essayé quand même de vous prendre, mais en fait, excusez-moi, je me suis permis moi de faire ça, moi je suis à l'aise. Hein. Ah bah, moi je suis. Non, mais je sais pas, je me suis mis comme ça, moi, comme si on était des bons vieux copains. Non, c'est pas vrai. Merci à vous en tout cas, ouais, ça nous fait bosser, merci. C'est bien. Vous êtes monsieur le maire? Non, mais j'ai eu peur, moi. J'ai eu peur. C'est vrai? Tu me représentes dans 3 ans contre lui. Putain, l'horreur. Incroyable. Ah, bon, je suis à l'aise. Si vous voulez, on vous mettra sur YouTube en avant, c'est sûr que vous avez gagné. L'outro, elle a aucun sens. Mais moi, je lui fais une bise, moi. Elle a aucun sens. Hein. Non, mais en vrai, voilà. Et du coup, moi, j'aimais bien pour l'association aussi. Et ouais. En plus, ils sont de chez moi, apparemment. Locomotive, ouais. Locomotive, c'est une association qui finance des séjours et des animations pour les enfants qui ont un cancer et une leucémie.
Et nous, ça nous tient forcément à cœur parce que bah, on a tous la santé, on a des gamins qui sont en bonne santé, et mine de rien, ouais. C'est rien que ça, c'est de la chance. Ouais, c'est ce que je disais à Médo dans la voiture tout à l'heure. Je disais en vrai de vrai, sur des events comme ça, quand derrière, t'as vraiment un gros côté humain aussi, tu vois. Sans faire le mytho du tube, hein, parce que j'ai rare ces trucs où les mecs ils font semblant, tu vois. Moi, les trucs comme ça, moi, tu vois, je surkiffe parce que tu sais qu'il y a un vrai truc derrière aussi, tu vois. Et là, en vrai, c'est là où tu te dis justement que bah, c'est une passion, mine de rien, qui réunit beaucoup de monde, mais justement aussi qui réunit beaucoup d'humains, tu vois. Et... ça c'est bon. Ah, ça. Tu portes encore mine de rien. Mm-hmm. Ça fait 10 ans que vous faites ça, non? Ça fait combien de temps? 8 ans. J'étais au briefing, moi, ce matin, j'ai écouté. Ah bon, moi, j'étais en train de faire de la merde là-haut dans les montagnes. Bon, en tout cas, moi, c'était vraiment cool. Franchement, c'était vraiment cool. Médo, franchement, merci aussi. Bah, je te laisse ça, c'est toi. Bah, merci à vous deux, les gars. Tes réseaux sociaux? Bah, Supercars Event, Vercors Supercars. Médéric Shiftech, voilà. Shiftech, tes réseaux. Ouais. Bah, coucou. T'as combien de coûts? T'as combien de comptes? 1. 12. T'es sûr? Parce que quand je regarde sur Paper, ça... On m'appelle le noyau. Non, non, ouais, ouais, bah non, mais Couchou, moi, pareil, sur ma chaîne YouTube, c'est pareil, allez voir tout ce qu'ils font, de toute façon, vous les connaissez. Hein. On va mettre en description. Et puis... Donc, code promo DJI. Couchou. Code promo Couchou 20 chez Shiftech, il vous fait un stage 1 gratos. Magnifique. Couchou, allez sur le site. Un stage 1 sur ta chaîne. C'est vrai? Tire au sort. Dans le commentaire. Non, sérieux? Ouais. Eh ben, vous savez quoi? Vous mettez un commentaire, vous mettez, tu sais quoi? Vous mettez croûte de cuir. huile de ricin. Ouais. Vous mettez croûte de cuir ou huile de ricin, je te jure, je fais un pick-up dessus, puis on fait gagner un stage. Fais-moi un bisou. Allez, bye bye. Ciao.